Et salut à tous et à toutes les amis, et bienvenue pour un nouveau Let's Play. Cette fois-ci sur Technomancer. Oui, alors moi j'aime bien, j'aime hésiter bien visible, personnellement. Pas trop quand même, bien visible. Alors Technomancer, c'est un jeu, j'en ai entendu parler il y a quelques années. C'est un jeu qui pourrait faire penser à Star Wars KOTOR. Enfin, à Star Wars, quoi. Dans le, c'est un petit peu un univers un peu futuriste. On va créer en facile, hein, comme ça je vais tester. Je veux voir si c'est vraiment plus orienté RPG ou si c'est plus orienté action. Donc, on va voir ce que ça donne. Il me reste 2 jours de Game Pass, donc autant en profiter un petit peu. The source of all life, there is water. On Mars, where it is rare, water is a source of conflict, struggle, and death. Since the turmoil, there have been unending wars, fought over the possession of clean water. We are the forgotten children of Earth, trapped in this red, barren wasteland. Here, hell is not a concept, it's our reality. And the reality is that every drop counts. Then there were the unfortunates, caught in the full power of the sun's radiation, forced to deform, mutate into unrecognizable monsters. The others, the ones who remained similar to our ancestors in likeness, hid under massive metal shells, governed by water corporations. But in the slums, people's lives aren't worth much more than the mutants. And I would know. That's where I spent the first 10 years of my life, under the boot of the Vori. Of course, in despair, there is hope. Some have begun to explore, travel even, from corporation to corporation, leaving their loyalties behind. We have organization, structure, and inevitably, politics. We have rulers, a people's assembly, and far removed from us, the Dowser, the inaccessible face of abundance. And finally, there's us, the elite protectors of the people, the spearhead of the army, my brothers and sisters who all share the same special gift. We are Technomancers. Bah, c'est intéressant en fait, le jeu me fait penser un peu à Mars quelque chose, un jeu que j'ai testé sur le PSN No il n'y a pas longtemps. J'avais testé le jeu sur le PSN No et je l'avais terminé en 8 ou 9 heures. Il était beaucoup plus moche visuellement, hein. Bah, déjà parce que j'ai testé en streaming, et de deux parce que bon, c'était un jeu PS3 je crois à la base. Ok, d'accord, donc le visage, c'est des visages prédéfinis. T'as un Asiat, t'as un Black, un Métis, on va dire. Ok, ça c'est la couleur de peau. Moi j'aime bien sa coupe de cheveux déjà de base. C'est entre les yeux verts ou les yeux bleus? Ouais, les yeux bleus, je trouve que ça rend mieux. Donc le talent. Ouais, ouais, en plus même l'arbre de compétences ressemble beaucoup. Je me demande si c'est pas le même développeur que Mars quelque chose, là, je sais plus c'était quoi le nom du jeu exactement.
Je me demande vraiment si c'est pas le même développeur parce que le voilà, c'est des technomes pareils et puis il y en a un de compétences exactement pareil. Ok, donc point sur niveau 5, donc tu choisis en fait, ça va sûrement influencer le début de l'histoire. Bon, je vais mettre charisme, on va dire. Ok, bon, alors la création du personnage est vraiment sommaire, hein. Scott, you came. Wouldn't miss it for the world. Sure, my memory isn't what it... But I remember to write things down on my calendar. Although I do sometimes forget where my calendar is. Anyhow, I knew your last cadet mission was today. Any nerves? If it's any consolation, you look more than fit enough. No, I'm good. I'm ready. Hmm. Yes, healthy skin, no rapid eye movement. Graphiquement, ça fait un peu penser à Mass Effect. C'est à peu près le même niveau, peut-être un peu au-dessus, mais je dirais. Trees. Your master, Sean, waits for you in the courtyard. So stiff, that one. I fear his spine is concocted from steel. A spine prosthetic. How interesting. What if... Oh, and stop by the clinic and come shoot the chit-chat. No, no, that's not... Just don't be a stranger. If you feel ill or need a hand, come see me. I'm always glad to help. Good luck, my boy. Thank you, Scott. Will do. I promise. Alors, d'ailleurs, le jeu dont je vous parle là, qui était sorti sur PS3 et qui est disponible sur le PSN Now, est aussi sorti sur Xbox 360. Et du coup, c'est pas impossible que ça soit développé par le même studio et que ça soit une suite sur PS4 et Xbox One, quoi. Le jeu était vraiment très bien, hein, mais très très court. Il était pas politiquement correct, quoi. Tu pouvais. T'avais. Enfin, c'était pas un jeu tout public, quoi. C'était quand même. T'avais pas autant de choix que j'aurais aimé en avoir dans le jeu, mais. Et voilà. C'était quand même un jeu vraiment. Qui visait un public adulte. Et j'aimerais bien me retrouver le nom du jeu dont je vous parle. Et oui, d'ailleurs, on peut même améliorer l'arme et tout. Exactement comme dans l'autre jeu, donc c'est bien ce que je vous dis. C'est, je pense vraiment que ça... Bon, je vais pas le faire maintenant, je peux pas améliorer grand-chose, je pense. Je pense vraiment que c'est la suite de du jeu dont j'ai oublié le nom. Hein. C'est exactement... Toutes les mécaniques sont les mêmes, quoi. Et le fait qu'on gère un technomant, déjà... They break it again. I fix it, they break it worse. I'm a modern fucking Sisyphus tasked with pissing in the ocean. Zachariah, today, as you know, marks your final mission as a cadet. I trust you are prepared. Of course, Master. Ready, willing, and able. And a little nervous. Normal and expected.
That's why I have gathered together your usual instructors to allow you to warm up and prepare. It's for you to ace the tests for each fighting technique. Prepare yourself. And once you are ready, join me at the station. From there, a train will take us to the mission site. Thank you, Master. Alors, parle aux instructeurs pour vous entraîner à différents styles de combat. Guerrier, roublard ou gardien, d'accord. C'est plutôt eux, je pense. Non ? Want to test your skills with a knife and a gun? Not really in the rule book, so if you do, need to be discreet. Let's do it. All right. Alors. Ok. Attends, quand je fais ça, ça fait ça. Quand je fais ça, ça fait ça. Ah. Alors, attends, hein, pas, il me dit merde. Alors, RB plus Y pour passer en mode roublard. Voilà. Alors, mais oui, une cible. Attends, parce que moi j'ai rangé mon arme là. Ouais, c'est officiel, c'est le même jeu, même les esquives se ressemblent et tout. Alors, soit ils ont complètement copié, soit c'est des gens qui sont partis du studio, soit. Ouais, c'est pas trop mal le mode roublard. C'est quand même le même jeu, mais en bien mieux. Hein. Bien plus fluide, bien moins saccadé. Another time, maybe. Don't underestimate stealth techniques or how much faster you can be in combat with light weapons. Ouais, moi je prends un truc moitié léger, moitié lourd, hein, si tu le permets. How about a little self-defense training? Ah, masse bouclier, ça va être très long. That's the spirit. Here we go. Ah ok, on peut pas faire de roulade avec Ah, on peut esquiver seulement. Ah ouais, les esquives sont pourries. Oh, je crois que j'ai un peu trop défoncé le beau bonhomme. Maybe later. Your call. You're gonna wish you had some good defensive training though when you find yourself in trouble. Donc je pense que si c'est comme dans dans l'autre, on pourra apprendre plusieurs styles. If you would like to practice your technomancy techniques or care to do some staff training, I have time. I'm always honored to learn what you have to teach. Excellent. Ah, mais en fait, il possède toutes les techniques déjà. Oh, attends, j'étais pas prêt moi. D'accord, il possède déjà toutes les techniques. Oh putain, mais il m'a retiré plein de vie. Moi, j'aime bien le bâton, moi. Thank you.
to fight again? A little brush up on my technique could never hurt. Indeed. Remember to attend to your surcharge risk. I would hate to have an accident. Ah, c'est bon, mon avis. Ah non, c'est LT, merde. Ok, bon, je préfère le corps à corps, moi. Would you care to fight again? I would love to. Another time, master. Thank you. Of course. Keep in mind, a well-trained staff can be quite formidable. And as you know, the control over our technomancy is what makes us unique. Ah ouais, c'est clairement la suite du jeu, je m'en renseignerai et je vous mettrai ça en commentaire, mais c'est clairement la suite du jeu que... Ouais, même les esquives au bâton, c'est exactement les mêmes. Ah non, non, ou alors c'est les mêmes développeurs, quoi, mais... Hein, c'est un jeu qui m'avait plu. Alors par contre, faut que je fasse quoi, du coup, hein? Faut que je parle à machin... Hey, heard from Captain Sean, you're heading out to the station. You leaving now? Yep, already ready. Alors, je me rappelle pas de tout déjà hein, pour l'entraînement, je pense que ça va être un peu brouillon au début, c'est normal. Stop right there. We're conducting a search. Look at this piece of shit. Well, well, what do we have here? Road trash seems lost, don't it? You forget we don't want your kind around here, trash. Sorry ass out of here before you find yourself bleeding from both ends. I'm sorry. I didn't ask you speak. Did I? You useless piece of shit. Why would I want to hear what you have to say? Waste this piece. Please, I just... Shut your mouth and just fucking die. Your corpse will feed the rats. At least then you have a purpose. Such a waste of life. A waste of space. Am I right? A rogue is a rogue is a sack, right? You can dress him up, but... Zachariah, we're leaving. Certain people are graduating to the rank of officer today. It does you well to serve only contempt to one worthy of nothing more. That is good. And with that... We should be off. J'ai la bonne réaction. Quand on dit, on répond au con par le silence. Look, Zach, we are heading for the dome. It was built by the first settlers, a relic itself. And what's there for us? According to reports, looters, who, in our interest, it would be best to keep out of the dome. Ah, c'est moi qui prends le relais. Zachariah, do you remember your first lesson? On the scarcity of life? Indeed.
The very one. Kill a fellow unfortunate and in this hell. Ah oui. Only the more alone we will become. Oui, oui, bon, c'est exactement le même jeu. On n'est pas obligé de tuer nos ennemis. On n'est pas obligé de tuer nos ennemis, mais si on les tue, si on les achève au sol, on gagne un espèce d'ingrédient qui sert d'argent dans le jeu. Voilà, ok. Donc là, c'est l'attaque rapide. Là, c'est l'attaque forte. Pourquoi est-ce que j'ai que les trois là? J'ai rien à signer en A. Bon. Ah non. Bonjour messieurs. Bon, je le mets en facile. Hein. Mais comme ça, je vais pouvoir rusher le jeu et essayer de le finir avant que... Avant que mon truc expire. T'as lui, c'est un Jedi, quoi. Vous voyez ? Voilà, drainer le sérum. Oui, bah, c'est exactement le même jeu, c'est la même phrase et tout. On peut drainer le sérum. Pour se faire un peu plus d'argent. Si je l'épie devant mon professeur, je sais pas si ça va faire baisser ma note. Par contre, pillez tout ce que vous pouvez. Hein. Ah, je savais pas que Technomancer. J'avais entendu parler de ce jeu, mais je savais pas que c'était là-dessus. Bah, déjà, quand j'ai entendu parler de ce jeu-là, j'avais jamais entendu parler du premier jeu dont je vous parle depuis tout à l'heure. Mars Rologue, je crois que c'était Mars Rologue. J'en avais jamais entendu parler. Donc du coup, j'ai connu le premier avant le deuxième avant le premier, quoi. Comment on saute? Faire une attaque furtive, je me souviens plus. Ah oui, elle a disparu carrément. Ah non, c'est bien la suite du jeu que j'avais testé sur le PSN Now il y a quelques mois. Eh ben, je savais vraiment pas que c'était la suite de Mars Rologue, si je me trompe pas de titre. Et franchement, c'est un bon jeu, moi, il m'avait bien plu. Donc je vous conseille un petit jeu d'aventure comme ça, un peu style RPG, qui se finit en quelques heures et qui est vraiment sympa à suivre. Donc par contre, je crois qu'il faut aller là, mais pourquoi j'arrive pas à sauter? Ok, fallait que j'aille tuer les deux autres là-bas et observer avant. There are looters gathered at the dome's entrance. A lot of them, but they're not equipped to be more than a nuisance. Take care nonetheless, Zachariah. That guard there, separated from his group. Sneak on him and the battle will be easily won. Allez, c'est parti, on continue. On peut lui parler. Stay near. The structure is like a maze. The inexperience could easily become lost. Ouais, t'inquiète, je gère. Merde, je voulais me planquer, je croyais qu'il était dos. Ah bah non, il est dos. Oh. Je gère. Ils sont un peu nombreux là.
Ah, j'ai pris cher, merde. J'ai quand même pris cher, là. J'ai perdu la moitié de ma vie. Donc on les achève pas. Hein. J'essaie de jouer le mec un peu honnête, quand même. J'achèverai que les ennemis qui me feront vraiment chier, tu vois. Ceux qui méritent vraiment d'être achevés, tu vois. Les gros salauds, quoi. Ah oui, la vie remonte petit à petit dans ce jeu. J'avais oublié. C'est comme dans le premier. Je peux passer au niveau supérieur, mais je vais attendre un peu, comme ça je passerai un ou deux levels d'un coup. Je préfère faire ça. Ah, le jeu, c'est exactement le même que le premier, mais en beaucoup plus joli. Et il a l'air beaucoup plus grand aussi. Se défendre le prof. Je crois qu'ils ont amélioré un peu l'intelligence artificielle aussi. Après le 1, comme je dis, j'ai joué sur le PSN No, donc les jeux en streaming, même quand t'as la fibre optique, c'est pas forcément encore au point. Et j'avais un peu de perte de framerate et un peu de des graphismes moins jolis. Après le jeu était moche de toute façon, c'était un jeu 360 ou PS3 et ça avait des graphismes limite fin de PS2, quoi. Alors, on va changer d'arme pour changer. Cher le prof là. T'es enculé là. Bah alors monsieur professeur, on vieillit ou quoi? Comment il enchaîne comme ça lui? Sûrement après, sûrement j'aurai d'autres habilités après. Je sais pas comment il fait des super enchaînements. Par contre, ils expliquent pas très bien au début si t'as pas fait l'ancien jeu. Si t'as pas fait l'ancien jeu, voilà, ils expliquent pas. Parce que normalement, dans le premier jeu, si je me souviens bien, il te donne un pistolet. Et il t'explique à quoi sert ce pistolet, à drainer le sérum. Le sérum qui sert de monnaie dans le jeu, je le répète. Et là, il t'explique pas trop, donc voilà. Donc, si vous tuez les gens, vous aurez plus d'argent, mais vous aurez peut-être, vous aurez certaines personnes qui vont plus vous parler parce que vous vous conduirez méchamment, quoi. Ça se demandait s'ils n'ont pas gardé le même moteur graphique, mais qu'ils ont juste poussé à son maximum, quoi. Même pas peur. Comment il fait ça, enfoiré? Sometimes I wonder if initiating is the right thing to do. What do you mean? Am I not ready? No, you're ready, Zachariah. With that, there is no doubt. I worry about you and care for your happiness. Once you become a technomancer, there's no going back. You lose your freedom. From the moment our abilities are brought into the light to the moment the light is snuffed from our eyes. Technomancers are nothing but pawns on a chessboard. We have no free will.
Abundance forces its will on us. Je peux pas tout lire à cause de ma barre Twitch, c'est chiant. How hard it will become as the ASC rises in power. Perhaps I'm just being paranoid. Forgive your master's little spell. You must focus on more important. Ah, je peux drainer le sérum sur les monstres. Ça c'est nouveau dans le premier jeu. Dans le premier jeu, on ne pouvait pas. Alors, est-ce que les monstres reviennent à la vie si je les achève pas, je sais pas. Mais moi, on va dire que voilà, j'essaie de tuer le moins de créatures vivantes possible. Sauf vraiment ceux qui m'auront fait vraiment chier, donc les monstres contre qui je vais en baver. Et les mecs qui se conduisent vraiment comme des enculés, quoi. Same as that in our chapel, accessible only to the combined energies of two technomancers. Ah, il a l'air quand même un cran au-dessus du premier épisode, hein. Du premier épisode de son aîné, quoi, qui était déjà très bien. J'ai pas pu vous le streamer car tout simplement on peut pas démarrer YouTube quand on joue des jeux en streaming sur la PS4. J'étais déçu, hein, parce que je l'ai fait en entier. Bon, je l'ai fait en 9 heures. Presence is a danger to the relics. You must seek out their origin. I remember well the first time I came here. I was fascinated. I really thought I was part of an elite. I've become disillusioned since then. If all this knowledge indeed gives us some sort of power, we are still faced with so many obstacles that we can't do anything with it. It's more of a danger for us than a tool. Après, qui tu fais la bagarre, toi, hein? Après, moi, ce que j'aime bien dans ce jeu, c'est qu'il est assez linéaire. Alors, certains n'aimeront pas, moi, j'aime bien. Parce que du coup, comme j'ai pas le sens d'orientation, ben, je me perds pas, quoi. Je me perds très très peu. Et du coup... Et du coup, il y a un scénario intéressant à suivre, quoi. Pour moi, l'open world ni à la narration, quoi. Donc moi, je fais partie de ces gens qui préfèrent un jeu un peu linéaire, mais avec une histoire à suivre, quoi. Affected by any visible health concerns. James, how do you feel? Great. So alive. My heart's racing, and I feel like I take on the world. And I'm being honest here, it's a bit overwhelming. Subject self-report is consistent and substantiated with our measurements of him and other subjects, all of whom produce EEGs indicating activity levels acutely higher than any ever associated with a human not subjected to mutation. The only adverse side effect, it appears, is the near tenfold increase in corporeal and cerebral electricity. Dangerous levels that will necessitate the urgent invention of a device capable of evacuating such surplus in order to avoid subject injury. This man talking about technomancy, about mutations, as if I can't believe. And yet it still might be so. This recording dates to the first settlers, speaks of the first technomancers. Shocking, perhaps. Where did you think our abilities came from? A divine power? I don't, but
We have no physical signs of mutation, and I don't know any mutant that has our gifts. And why should any of those things matter? Might not our mutation simply be of a different form? This brings us to the most important point. What you have seen unifies us, unifies the Technomancers. This secret must be kept from all other humans. If this information was discovered by, say, the ASC, we would become nothing but slaves. Our situation is already incredibly undesirable. We are not only isolated, but used as human bombs. Take a walk by the mutant pen in the slums one day. That is what our lives could have been. Don't be dismayed. I have been through this as well. So have all the other Technomancer officers in abundance. Knowledge of this revelation makes you one of us now. More so than your skills. But now is time to deal with the creatures infesting the dome. It would be a real shame if the installations here are damaged. We will no longer be able to hold initiation trials here. Yes. Yes, of course, Master. I haven't found an opening yet, so... they must have breached lower in the dome. Then that's where we must go. I will divert the attention of these creatures. At the base of the dome, you will find the entry point. To have swarmed here, they must have dug a passage. I'm on it. Déjà au niveau 4 ? Bon, je pense que le jeu sera pas beaucoup plus long que son prédécesseur. S'il y a des gens, on est au niveau 4, le niveau maximum c'est 20. Toi t'es mort, non ? Ah non. Mais bon, je crois que les insectes ils sont morts de chez morts quand tu... Il faudrait peut-être drainer leur venin à eux, hein. Ah bon, voilà. Parce que là je suis parti pour les exterminer là, donc... Peut-être que c'est plus que niveau 20, hein, parce que là vous voyez je suis déjà presque au niveau 5. Écoutez, j'ai exterminé tout le monde là. Qu'est-ce que c'est fait ? Bon, je les draine ou quoi ? C'est des insectes après tout. Je sais pas. Je vais drainer les insectes quand même, tu vois. Je vais essayer de pas tuer les humains. Et là, eux, vu que c'est des insectes, je pense qu'ils sont morts de chez morts, quoi. Bienvenue à toi sur la vidéo. Je te présente Technomancer, un jeu gratuit sur le Xbox, avec le Xbox Game Pass, sur la Xbox One. C'est la suite de Mars Warslog. Ah, c'est pas Marslog, c'est Mars Warslog, voilà, je vais m'en souvenir. C'est la suite de Mars Warslog qui était un excellent jeu. Un excellent jeu disponible sur PS3 et Xbox 360 et sur le PSN Now du coup en streaming. Mais bon, le PSN Now c'est un petit peu cher. Je sais pas si les sérums servent pas à faire des soins aussi ou des trucs comme ça. Sans le boss ici. On va peut-être augmenter, je vais peut-être augmenter mon level. Bon, moi je suis plus guerrier, hein. Ah, j'ai oublié que j'avais attaque zone. Donc voilà, j'ai rien pu rajouter de plus. Ah oui, l'équipement, bah oui. Est-ce que je l'équipe aussi? Alors,
J'avais un petit peu rushé Mars Warslog. Et Mars Warslog, en fait, j'étais mal équipé. Et au bout d'un moment, ça se ressent méchamment quand on est mal équipé. Pierre de Noctis, c'est un petit clin d'œil Final Fantasy ou quoi ça? Ouais, mais c'est pas terrible par contre. Oh, c'est pas terrible, terrible tout ça. Je vais tout mettre en force au départ. Voilà, déjà un peu plus balèze. C'est parti. Ça sent le boss moi, ici, hein. Je suis désolé mais... Ah là, j'ai trouvé comment on faisait le coup. Voilà, qu'est-ce que je disais? Petite cinématique. Ah, ça sentait le boss ici. Oh, il est gros celui-là. Sans déjà que le maître qui nous a abandonné. J'espère qu'ils vont pas nous faire le coup tout le long du jeu. Genre les PNJ nous abandonnent et nous laissent tout seuls contre les boss. Moi j'aime bien quand j'ai des alliés avec moi. J'en ai marre d'être le héros solitaire. J'aime bien quand les alliés m'aident. Lui me fait un peu peur. Ok, d'accord, j'ai pas esquivé dans le bon sens. Est-ce que je peux l'attaquer de l'autre côté? Ah mais il est pas invincible quand tu tapes les pattes, je pensais que je pouvais lui taper le... sous le ventre, mais non, pas forcément. Ouh, j'ai esquivé. Ah, je sais pas comment on se soigne par contre. Est-ce que ma vie va remonter? Oh l'esquive! Non ma vie ne remonte pas. Oh putain. Ah attends. Objet. Injection de soin, putain j'en ai que deux. On va le taper au flanc. Très compliqué. D'accord. Ok, d'accord. C'est pas instantané le soin. Donc du coup, le soin est pas instantané. C'est bon à savoir pour la prochaine fois. Devoir utiliser une autre essai de combat contre lui. Je sais pas si on peut le parer avec le bouclier. On peut contrer les gros coups du boss, vous pensez?
Voilà, on va prendre cette arme là. Ouais, ça marche que dalle, hein. Par contre, je vais voir si je le frappe de front, de face. D'accord, bon, bah le jeu est assez difficile. Hein. Le jeu est assez difficile. Ouais. Un peu plus difficile. Le premier déjà était assez difficile. Hein. Le premier j'avais testé, j'avais terminé en facile et j'avais testé en normal. Bah en normal déjà, t'en chiais pas mal quoi. Ouais, par contre là j'ai plus de vie, le combat va commencer, ça c'est pas trop pour me plaire ça. Ah bah oui, j'ai plus de vie quoi. Ah d'accord, t'as un nombre d'armes restreint bien entendu. Une arme vraiment plus efficace qu'une autre. Hein. Prends mon bâton. Ok d'accord, bon c'est assez compliqué hein. C'est assez compliqué à jouer. Donc ouais, je crois qu'on va être obligé d'utiliser des soins hein. Je voulais économiser les soins le plus possible. Mais alors là, il faut que je fasse attention d'avoir toujours au taquet de soins sur moi. Déjà je vais y aller avec mon bâton parce que c'est ma spécialité. Voilà, déjà ça je comprends pas trop comment on esquive. Il a une telle portée le monstre. C'est un peu du pif. C'est la caméra qui aide pas aussi. Ok, après il ferme ses bras, il fonce un peu partout. Ok,
Voilà, j'ai réussi à me le faire sans utiliser de soin. C'était le but du jeu. C'est pour ça, sinon j'aurais pu me le faire dès la première fois. Je ne suis pas tellement servi de ma technomancie. Donc bon, la cinématique, oui, mais on fait un peu une overdose de magie là. Elle ne correspond pas beaucoup à ma façon de jouer, quoi. Witness to the secret with your own eyes, who knows in your heart of hearts that the revelation that he bears is true, and who has understood that this knowledge could cast us into endless pits of despair. As you drink the sap of the world, the water that feeds our lives, abandon the one you thought you were, and instead become our brother, Zachariah Mansur. Together we have shared the water and secret. Can you swear to forever protect the knowledge of the earth and to dedicate your life to finding it again? To defend and protect our secret, even with the sacrifice of your life, if need be. I swear. Then welcome, my brother. Pas tous des têtes de gentils, hein? Must be troubled by what you've learned, and I assure you that it's no less troubling to me. But be proud of what you are, and know, no matter what, we are by your side. And that this initiation, as horrid as it may be, makes you forever our brother. You showed the courage of lions beneath the dome, and for it, you have been made an officer. So I imagine. Now that you no longer need my guidance, it will send me elsewhere, with the great and endless pride of having been your teacher over these few years. The honor was mine, Master. No, not Master. It's just Sean now. Go. Take your assignment as an officer. Count the blessings you've amounted, those that allowed you to avoid the front thus far. Captain Eliza is waiting in the barracks. She's harsh, but fair. But before you find her, we all know the regulations. Technomancers get no leave from the front in times of war. So being here, I can't even sneeze without a report being written up. But you, you have a free pass. I need you to go to the exchange district. Ah, les soucis sont placés un petit peu au-dessus de la barre Twitch en général, donc c'est sympa. Je peux lire. The merchants have no ties to abundance and travel among us like shadows. They hear things, whisper things, and pay people to forget they are there.
I'm looking for information on any archaeological discoveries that could expose the Earthlings. Information that would help protect our secret. Ask him if they've heard of any such finds. Yes, Great Master, as you wish. Good, Zachariah. But take care that not a single soul knows what you're after. Not a single soul can hear your exchange with the merchants. Servir pour abondance. Je crois même que c'est pas seulement le même jeu, hein. C'est carrément la suite, hein. Parce qu'abondance et tout, c'était dans l'ancien. Donc, écoutez, je vais m'arrêter là. C'est un let's play de 56 minutes. Je sais pas si je vais refaire un tout de suite ou pas. Mais je vais vous twitch le jeu en entier. Et il me reste que 2 jours d'abonnement. Donc ça va être chaud, mais je pense que je vais me ramener 1 mois au Game Pass pour au moins faire ce jeu, parce que... Puis d'autres jeux, parce que ce jeu est au même prix que... Ce jeu est à 10€. En ce moment d'ailleurs, soldé. Je sais pas s'il faut avoir le Game Pass ou pas pour l'avoir à 10€ par contre. Ça a l'air d'être un bon petit jeu. Jusqu'au 7 pour le finir, donc on est le 6 aujourd'hui, donc j'ai aujourd'hui quoi. Ça va être un peu chaud, je sais pas si... si j'ai le 7 inclus dans mon abonnement ou pas. Si j'ai 2 jours, ouais, j'ai le temps de finir. Bah, à moins que la durée de vie soit beaucoup plus conséquente que le premier. Bon ben voilà. Allez, à bientôt pour de nouvelles aventures.